Oh, c'est quoi ça? C'est les billets Monopoly. Tiens, 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 tiens. Mais tu te fous ma gueule ou quoi? Comment ça, je me fous ta gueule? Mais c'est quoi ça là? T'es sérieux? Salut l'équipe, juste avant que cette vidéo commence, je voulais vous dire que j'avais créé une nouvelle chaîne qui s'appelle Michael H. Prank. Je vous mettrai le lien en description. Venez vous y abonner en masse. Si vous pouvez atteindre les 10 000 abonnés dessus, franchement, ça me ferait très plaisir. Donc ce sera une chaîne comme son nom l'indique où je vais faire pas mal de pranks, des fois assez risqués. Un petit peu comme je fais déjà sur cette chaîne, mais vous verrez, il y aura des nouveautés. Donc je vous mets le lien en description. N'hésitez pas vraiment à venir vous y abonner en masse. Et au passage, abonnez-vous à ma chaîne actuelle si vous n'êtes pas encore abonné. Ça fait plaisir. Salut l'équipe, c'est Michael H. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais rendre fou un escroc sur le Bon Coin. On va essayer de lui faire péter les plombs. Donc voilà, en fait, il vend une sacoche sur le Bon Coin, sauf que c'est une fausse sacoche Louis Vuitton de contrefaçon. C'est pas très très honnête tout ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le piéger et lui faire péter les plombs. Je vais lui faire croire que je vais acheter sa sacoche de contrefaçon avec des billets Monopoly. Après, il y a mon pote, un complice qui va arriver. Je vais faire genre que je commence à l'embrouiller, etc. Enfin, vous allez voir cette vidéo, ça va complètement partir en vrille. Mais je sais que vous aimez ça. C'est pour ça que je vous demanderai de laisser un maximum de likes si vous voulez d'autres vidéos où je piège des escrocs sur le Bon Coin. Et aussi à vous abonner à ma chaîne pour que je devienne riche et comme ça la place de billets Monopoly pourrait avoir de vrais billets. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais directement avec la vidéo. Excusez-moi. C'est vous pour l'annonce sur le Bon Coin? Oui, c'est ça. Ah, ça marche, ça marche. Ah, ça va tranquille, frère? Ça va. Un peu poteau. Frère, c'est bon. C'est bon, frère? Ouais, c'est bon. C'est parce qu'on n'est pas vraiment frère, quoi, tu vois. Poteau, mais on n'est pas potes, mais on peut devenir potes si tu veux. Comme ça, je peux t'appeler poteau. C'est bon, reste sur frère, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ou gros, mais t'es pas gros, tu vois. Du coup, je vais pas t'appeler gros. Reste sur frère, c'est bon. Frère, c'est bon, frère? Ouais, frère, c'est bon. Frérot? C'est pote. Comme tu veux, moi, c'est pas ça le problème, c'est la sacoche. Je veux. Ouais, ouais, c'est, je suis désolé. C'est... En fait, frérot, c'est un mélange entre poteau et frère, tu vois. C'est frérot, c'est. Entre poteau et. Je suis désolé, en fait, je suis un petit peu stressé. Tu vas me prendre pour un mec un petit peu bizarre, j'espère pas. Non, non, pas du tout. Bon, c'est bon. T'es stressé? Ouais, je suis un petit peu stressé, en fait, c'est la première fois que je fais ça, tu vois, j'ai pas l'habitude de... C'est la première fois, tu vois, j'ai jamais fait d'annonce sur le Bon Coin, etc. Du coup, je sais pas trop... Tu veux, quand t'es arrivé, je savais pas trop si je devais te faire la bise ou te serrer la main, tu vois, je suis un peu... J'ai un peu de mal. Non. Désolé, on oublie. Pas de problème. Voilà, donc j'étais venu pour t'acheter la sacoche Louis Vuitton, c'est ça? C'est ça, c'est celle-là. D'accord, oui, je vois. Du coup, tu m'avais dit que tu me la faisais à 100 euros. 100 euros, ouais. Y'a pas moyen que tu me fasses un petit prix, peut-être? 100 euros, c'est une vraie, regarde, écoute. Hein? Ah ouais, putain. Yeah. Une vraie plaque en métal, tu vois. Je sais pas, frère, tu me fais un petit 80%. Ah, pas 80%, t'es complètement malade, toi. Ça, c'est cette plaque, elle a été gravée par Louis Vuitton lui-même. Ouais, je vois. Ouais, mais... Je l'ai acheté l'année dernière, il l'a fait il y a 2 ans, il l'a gravé lui-même. Mais c'est parce que c'est les soldes en ce moment, t'as vu? Ouais, mais moi je fais pas de solde. Déjà 100 euros, c'est déjà pas mal. Tu sais combien elle vaut celle-là? Elle vaut 1100 euros déjà celle-là. 1100 euros? Ouais. Je l'ai un petit peu abîmé là sur les coins en la posant comme ça. Je l'ai un peu abîmé, c'est pour ça que je descends le prix à 100 euros. Mais tu veux, c'est les soldes, tu peux pas me faire une petite remise? Et justement, je te fais une grosse remise là. Je te fais je sais pas combien de pourcents là. 1100, 100, là c'est déjà pas mal. Franchement, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire? Ah ouais, c'est une bonne affaire. En plus, une vraie gravée par Louis Vuitton lui-même et tout ça. C'est Louis Vuitton lui-même qui l'a gravé. C'est Louis Vuitton lui-même qui l'a gravé. On m'a dit qu'il était dans sa chambre comme ça. Gravé lui-même. Ça, c'est la légende ça. Ah ça c'est la légende mais j'ai vu une vidéo. Une vidéo? Ouais. Ouais en fait je t'explique en fait. Moi tu vois je voulais acheter cette sacoche pour faire racaille un peu tu vois. Je sais pas si tu vois un peu genre. Faire racaille. Ouais je voulais être un peu racaille t'as vu. Comment ça? Bah je sais pas, genre je voulais, t'as vu quand je mets, tu vois quand tu mets des vêtements, tu sens que tu mets les vêtements, tu vois. Moi je voulais quand je mettais la sacoche, je voulais me sentir un peu comme une racaille, tu vois. C'est-à-dire quand j'ai la sacoche sur moi, je suis une racaille. Mm-hmm. Quand j'ai pas la sacoche sur moi, je suis un mec normal, tu vois. Pas de soucis, pas de problème, pas d'embrouille, tu vois. Mais à partir du moment où je mets la sacoche quand je marche dans la rue, tu vois, je suis une racaille. Quoi, la sacoche fait tout le style pour toi? Non, pas le style, la racaille. C'est pas une question. J'ai envie quand je mets la sacoche, tu vois que je suis une racaille. Tu vois, j'ai envie quand je marche avec la sacoche dans la rue, les gens ils me regardent, ils disent lui c'est une racaille frère, tu vois. J'ai envie quand je suis en train de marcher comme ça, il faut oh la crime! Oh la crime! Moi je me retourne comme ça, je dis qu'est-ce qu'il y a frère? Dis oh désolé, je croyais que t'étais la crime frère. Tu vois. Et après ils me disent ouais, ah frérot, désolé, t'es une racaille frère. Bonne journée monsieur. La racaille c'est comment tu parles, tu vois. Faut pas être gentil quand tu parles. La racaille elle parle vénère, tu vois. Mais ouais, voilà. Moi, après, si tu veux, je te rajoute 50 euros et tu me donnes quelques cours de racaille et je te rajoute 50 euros. Bah ouais. Ouais, c'est partant. Bah de ouf. Mais comment tu fais? Montre-moi un peu comment je peux faire pour être une racaille un peu. Tu parles énervé, tu fais. Wesh, poteau, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une p*** ta mère, toi. Comme ça, frère? Ouais, tu fais, je t'ai une p*** ta mère, toi, fils de p***, je te soulève. Comment, genre, il faut faire quoi? C'est quoi le secret?
Le secret, je sais pas, il faut, c'est juste la manière de parler, tu vois. Un peu les gestes aussi, tu vois, tu t'en bats les couilles. Comme ça un peu. Et y a pas moyen, je l'essaye un peu la sacoche. Tu veux l'essayer? Ouais, en fait, je vais te montrer, je veux que tu vois un peu, tu vois, comme ça tu me donnes ton avis. Ah, par contre, juste un truc. J'ai les sous. T'as les sous, hein. Je te paye après, y'a pas de soucis, frère. Ouais, c'est 100 euros. 100 euros, ouais, t'inquiète. Ok. Bon. Je regarde, vas-y, c'est bon. En fait, je veux, tu vois, je veux, quand je marche dans la rue, j'ai la sacoche comme ça, tu vois. Hop, je la mets comme ça, tu vois, c'est bien comme ça ou pas? Ouais, moi, j'ai un collier un peu. Non frère, c'est pas un collier, je veux être comme ça, tu vois, et je veux marcher comme ça, tu vois. Et les gens ils me regardent, ils disent ouais lui c'est une racaille. Ils disent ouais lui c'est une racaille, je vais pas lui chercher de problème. Oh qu'est-ce que tu veux toi? Oh qu'est-ce que tu veux, t'as un problème? Viens là, viens. Qu'est-ce que tu fais le malin? Avec qui tu fais le show? Tu passes, tu nous regardes mal comme ça? De quoi tu parles? C'est quoi ton problème? Comment ça c'est quoi le problème? Tu passes, tu lâches des regards comme ça là? T'as un souci? Oh tu veux que je te monte en l'air? Comment ça tu... Ah, tu veux que je te monte en l'air? Calme-toi frère, c'est mon collègue, c'est mon collègue frère. Comment ça ton collègue? C'est mon collègue frère, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais là? Non, non, c'est mon collègue frère, c'est bon, calmez-vous, vous embrouillez pas frère. Non, non, c'est mon collègue frère. Qu'est-ce que tu me fais? Reste tranquille. Non, non. Il m'a dit ouais, et le mec depuis tout à l'heure il nous rate trop mal, il va passer, je vais lui coumer sa mère, tu vois. Moi je. Non, non, frère, c'est bon frère, calme-toi. C'est bon frère, je vais. Non, calme-toi surtout. Non, c'est bon frère, je lui dis de se calmer frérot, c'est bon frérot. T'inquiète frérot, laisse-le, viens, on se casse frère, viens, on se casse. Viens, on achève. Tu me fais faire des trucs comme ça. On se casse. C'est désolé, monsieur. Je suis en train de te vendre ma sacoche, bon. Je fais n'importe frère, quoi. C'est bon. Mais c'est chier dessus, frère. T'es sérieux ou quoi? T'es sérieux, tu mets dans les histoires? Mais c'est chier dessus, frère. Ça, c'est racaille de fou, frère. Oh, ça, c'est racaille de fou. Oh, frère. Oh, c'était racaille, ça. Oh, frère. Ma mère, oh. Non, mais attends, je l'achète, t'inquiète. Désolé, frère. Je me suis un peu emporté. Je suis désolé. Frère. Je suis désolé. Plus un truc comme ça, sinon ça va mal se passer, je te jure. Je veux. Non, j'ai plus des trucs comme ça. Je me suis emporté, frérot. Ouais, je rigole pas avec toi, je suis en train de te vendre un truc, t'es pas sérieux. Oh, frère, il s'est cagué dessus. Oh, c'était racaille de fou, frère. J'en ai rien à foutre. On est des racailles, frère. Je suis pas ton pote, ok? Ah, c'est bon, tranquille. Moi, je la vends, c'est tout. Ouais, non, mais je vais te l'acheter. Je suis un vendeur, c'est tout. Arrête de me mettre dans des histoires comme ça. Non, je vais te l'acheter, y'a pas de soucis. Ouais, mais tu me donnes les sous après. Ouais, je te donne les sous. J'espère que t'as les sous. Ouais, je te donne, mais. Parce que là, tu l'as abîmé. Non, je te les donne, mais t'as la facture qui va avec? Frérot, écoute, j'ai pas la facture. Je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Elle doit être chez moi. T'inquiète, de toute façon, j'ai ton numéro, je t'appelle, y'a pas de problème. Je t'appelle dès que je l'ai. Ce soir, j'appelle et je te dis que je l'ai, c'est bon? Ah, sinon, au pire, demain, on se retrouve et tu me passes la facture et je te l'achète direct avec la sacoche, moi. Non, non, tu l'achètes maintenant, t'as vu, je suis pas venu pour rien. En plus, t'es là, tu me fais des histoires, t'es sérieux. Ouais, frère, c'était bizarre, toi. C'était la racaille, frère, qui a parlé, là. Frère, j'avais la sacoche. Je me suis plus contrôlé, frère. Ouais, mais j'en ai rien à. Du coup, t'as pas la facture? Non, j'ai pas la facture, je te dis. Ce soir, je t'appelle et je te l'envoie. Bon, tu sais quoi, je vais quand même te la prendre, la sacoche. Ouais, mais t'as les sous. Mais voilà, moi j'ai quand même toi la prendre la sacoche, mais. Et voilà, frère, faut pas que tu sois choqué, tu vois. Là, je vais sortir une grosse liasse de billets. Ouais, frère, je vais te sortir une liasse. Je vais te passer ton billet, tu vois. Pas de soucis. Mais frérot, il faut pas que tu sois choqué, il faut que tu répètes à personne, tu vois. Je vais te sortir une grosse liasse de billets comme t'en as jamais vu, frère. Frère, je travaille dans l'argent, de quoi tu me parles? Tu travailles dans l'argent? Ouais, j'ai vu de l'argent, t'inquiète pas. Il faut pas que tu sois choqué, frère. Faut pas que tu sois choqué, d'accord? Comment ça, choqué? Faut pas que tu sois choqué, frère, je vais te passer la liasse. Je vais te sortir l'alias, je vais te passer ton billet. Il faut pas que tu commences à paniquer, frère. Mais de quoi tu me parles? C'est juste une liasse, frérot. Tranquille, tu vois. Donc regarde s'il y a pas un petit peu des condés, là. Oh, mais qu'est-ce que condé? Regarde ici, il y a jamais de condé. Ah, qui tu dis chute comme ça? Oh, respecte-moi, me dis pas chute comme ça. Me dis pas chute comme ça. Je te réécoute, frérot. Mais de quoi tu me parles? Ferme ta gueule, arrête de dire n'importe quoi. Allez, j'envoie les sous. On est sur écoute. Mais de quoi tu me parles? Arrête, t'es en train de me rendre fou. Arrête de crier. Ils nous entendent. Arrête. Arrête, frère, on va se faire serrer, frère. Passe la sacoche de spin, vas-y, passe, je passe les sous. Vas-y, on voit les sous, tu casses la tête. Fais comme si de rien, t'es en train de me rendre fou là. Fais comme si de rien. Vas-y, donne l'alias, maintenant on se casse là. Je me cache, je veux plus rester avec toi, tu m'as regardé. Oh, me regarde pas, frère, me regarde pas. Oh, c'est quoi ça? C'est les billets Monopoly, tiens. Mais tu te fous ma gueule ou quoi? Comment ça, je me fous ta gueule, frère? Mais c'est quoi ça là? T'es sérieux? Mais c'est quoi ça? T'es sérieux? Tu te fous ma gueule ou quoi? Qu'est-ce que tu fais, frère? Non, y'a pas de frère! T'es en train de me rendre fou parce que là, tu me passes des billets de Monopoly, tu abîmes ma sacoche, tu me prends trop pour un con là. On va se faire serrer, frère! On va se faire serrer, prends les billets, ramène les billets! Paye-moi maintenant! Maintenant, passe-moi les sous, paye! J'ai passé les sous! Paye! Mais j'ai passé les sous! 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 Mais je fous pas ta gueule! Arrête! Attends, ne bouge pas! Comment ça, ne bouge pas? Tu vois, regarde. L'arbre là. Ouais. Hop, perché!
Viens, viens la récupère, j'ai l'impression qu'on la voit bien. Attends. Oh, le lancer, il était magnifique. Moi, j'ai pas vu en fait, j'étais pas sûr, genre je l'ai pas entendu retomber, tu vois. Ouais. Mais j'ai senti que le G là, qu'on peut la récupérer. Ah, vas-y, viens la prendre. J'étais des pierres et tout. Oh. C'est comme une sacoche, quoi. On ira le donner, tu sais. C'est quoi déjà le truc là, on peut donner les vêtements, etc. Là. Ça c'est cours populaire en fait. Ouais. La Croix Rouge. Ah, la Croix Rouge, ouais. On ira la remettre à la Croix Rouge, comme ça servira à quelqu'un. Je pense que...